Mamie Vapote vient encore de dégainer le 49-3. Il y a un moment où on se demande s'il n'y a pas un devoir de révolte. En France, il y a trop de gens qui ne sont pas encore informés de ce qui se passe. Pour en pas cacher ça éternellement. Qu'il convient de réfléchir à ces mécanismes qui nous manipulent. La peur est un outil de manipulation, est un outil de contrôle. Il ne faut pas avoir peur. Coucou les normies. Non mais t'as vu ce faste à Versailles? Marley, désolé, je viens de dépenser 6 millions d'euros. C'est à vous de vous serrer la ceinture maintenant pour votre essence. Non. Moi personnellement, je roule avec une voiture électrique depuis 2 mois. On va se les peler cet hiver. Eh ben c'est un coup des Russes, pardi. Alors là, vous me surprenez. Qu'est-ce que vous jouez bien? Franchement, ils sont super malins, ces Ruskov. C'est presque... qui est la plus grosse? Plus grosse voiture, déjà, dans un premier temps. Excusez-moi, j'ai un fan club derrière moi. Ah là. Donc c'est très drôle. Corps. Corps à corps. Alors le 7 octobre 2023 marquera donc la longue histoire des affrontements entre Israël et Palestine sur une terre que chacun revendique, hein, la bande de Gaza. Cette guerre qui dure déjà depuis plus d'un siècle, avant même l'indépendance de l'État d'Israël en 1948, elle a de nouveau marqué par un jour sombre à sa chronologie. C'est donc ce samedi 7 octobre, le Hamas palestinien attaque Israël. Les Israéliens ont été réveillés au lever du soleil par un barrage de roquettes tiré depuis la bande de Gaza. Mais l'ampleur et la nouveauté de l'attaque contre Israël ne se situent pas dans les airs, mais plutôt dans l'incursion dans des villages israéliens situés près de la bande de Gaza, du territoire de Hamas. Des dizaines d'entre eux ont franchi la barrière de sécurité de l'enclave par voie terrestre, par voie aérienne et notamment via des parapentes. Et dans la matinée, l'armée israélienne a admis que le Hamas avait pris le contrôle de plusieurs localités en bordure de l'enclave palestinienne. Sur les réseaux sociaux, on a pu voir des images de soldats et de civils israéliens ensanglantés et diffusés. Et le porte-parole des forces armées israéliennes, le jour même, a fait le point sur la situation dans une vidéo publiée notamment sur X, un Twitter. Il évoque ces 24 dernières heures très difficiles pendant lesquelles Israël a été attaqué par surprise. Il n'avait pas de cible militaire, il visait les civils, il visait les grands-mères, il visait les enfants, il visait les bébés, dit-il. C'est notre 11 septembre. Assurant ainsi que le pays va surmonter ces attaques barbares et répondre très, très sévèrement. L'armée israélienne, en effet, a déclenché l'opération Sabre de fer contre ce que le Hamas appelait le déluge Al-Aqsa et donc a mené des frappes aériennes sur l'enclave palestinienne. Le bilan, aux dernières nouvelles, en tout cas, de ces journées de guerre était d'au moins 600 morts côté israélien, 2000 blessés côté palestinien. Le Hamas a annoncé plus de 370 palestiniens tués et près de 2000 blessés. Alors évidemment, on compte les morts et on regarde ce qui se passe en direct, mais il est aussi question de comprendre ce qui se passe dans le temps long et sur la scène internationale. Et c'est pour ça que nous sommes très heureux d'être avec Régis Le Sommier et Éric Denessé. Bonjour Régis Le Sommier. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directeur de la publication de Merta, auteur dernièrement de Jusqu'au dernier Ukrainien chez Max Milo. Vous avez également publié, on en reparlera une autre fois du coup, un très bon documentaire sur la milice Wagner. On en reparle une autre fois. Et surtout un article dans le JDD concernant justement... le journal du dimanche, hein, concernant ce qui s'est passé et ce qui se passe en ce moment, ce qui se joue sur désormais cette scène israélienne et la bande de Gaza. Et puis nous recevrons dans quelques instants Éric Denessé qui va nous rejoindre, directeur du CFDR, le Centre français de recherche sur le renseignement. Déjà, Régis Le Sommier, quels sont les éléments que nous avons aujourd'hui sur ce conflit israélo, presque, on a envie de dire palestinien, un peu par raccourci, mais bon, Gaza et Israël. Bah, écoutez, vous avez très bien décrit tout à l'heure ce qui s'est passé. Moi, je rajouterais par rapport à ça qu'on est dans une configuration nouvelle. Pourquoi on est dans une configuration nouvelle? Parce que, d'abord, il y a l'élément de surprise. C'est pas que, comme si vous avez bien souligné qu'il s'agissait à nouveau d'un épisode dans ce conflit, parce qu'il y en a eu beaucoup avant. Mais ne serait-ce que sur le nombre de morts que vous avez donné tout à l'heure, en général, les affrontements entre le Hamas et l'État hébreu, c'est un rapport de 1 pour 10. Oui. C'est-à-dire, il y a 10 Palestiniens tués pour un Israélien tué, en général à base de tirs de roquettes. Et là, cette fois,
Cette fois-ci, on est à près de 500 ou 600 morts côté israélien, des otages qui ont été pris, qui ont été ramenés dans la bande de Gaza, qui vont poser énormément de problèmes pour la riposte israélienne. Mmh. C'est une configuration absolument nouvelle. Oui. Vous évoquiez tout à l'heure les parapentistes qui se sont introduits sur le territoire israélien. Il y a eu un épisode absolument incroyable, c'est celui de cette rêve partie où des gens étaient là au milieu du désert en train de danser, et tout à coup des parapentistes du Hamas sont arrivés au milieu d'eux en tuant certains, en faisant prisonniers d'autres et en les ramenant sur la bande de Gaza. On a vu aussi des miliciens palestiniens cagoulés, armés, tirant sur des civils au hasard, ouais, dans les colonies d'Ashkelon ou de Sderot, qui en général sont infranchissables. Enfin, c'est inimaginable. C'est la première question qui se pose et que vous avez posée dans votre article, hein, Régis Le Sommier, c'est comment comment cette fois-ci ont-ils réussi à traverser cette barrière infranchissable ? Alors c'est vraiment le grand point d'interrogation aujourd'hui. Évidemment, on sait que il faut regarder les réactions. Alors il y a des réactions à l'étranger qui sont importantes, mais moi je pense au journal Haaretz, oui, qui immédiatement dès sa première édition a accusé Benjamin Netanyahou, ouais, sa politique de division. On connaît sa réforme juridique. Est-ce que vous pouvez nous dire juste pour que tout le monde comprenne justement ce journal, parce que j'allais vous poser cette question, Haaretz, il a quel positionnement ? Une sensibilité de gauche, mais en général, c'est un journal d'une grande exactitude journalistique, un peu à la manière, c'est un peu, je dirais, pour moi, l'équivalent du New York Times pour Israël. Il est très libre aussi au niveau de ses opinions, et surtout, il va dans les faits immédiatement. Il y a assez peu de polémiques avec Haaretz. Et quand Haaretz, dès sa première édition, accuse Netanyahou, ça prouve qu'il y a, au-delà de l'attaque du Hamas, une division de la société israélienne qui a été creusée par ce gouvernement. On rappelle que le gouvernement Netanyahou, actuellement au pouvoir, est le plus à droite de toute, oui, l'histoire israélienne, et que la tentative d'imposition de cette réforme judiciaire qui diminuait le pouvoir des juges en augmentant le pouvoir de l'exécutif a fait passer justement le gouvernement israélien pour très dictatorial. Mmh. Alors ça, c'est des éléments de division de la société israélienne, oui, au moment où le pays subit une des plus grosses attaques de son histoire. Oui, il parle de leur 11 septembre. Et voilà, subir un 11 septembre tout en ayant un gouvernement qui polarise et qui a peu de capacité de rassembler en temps de paix ou en temps d'accalmie, puisque Israël est tout le temps un peu en guerre, on peut penser que la société israélienne, évidemment, va s'unir comme jamais, oui, après cette attaque. Mais en tout état de cause, il y a eu un climat. Et puis, il y a surtout cette faillite incroyable du renseignement israélien, le Mossad, le Shin Bet et autres. Et même les Américains. Et le renseignement de l'armée et les Américains. Et avec qui sont en permanence. Donc c'est un échec pour Netanyahou, et c'est un échec aussi pour Biden, pour Joe Biden. Alors, on va parler justement de cette question de renseignement avec Éric Denessé qui nous a rejoint. Bonjour Éric Denessé. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous pour cette émission spéciale sur ce conflit qui a lieu en ce moment. Vous êtes, je le rappelle, directeur du CF2R, Centre français de recherche sur le renseignement. Alors, Éric Denessé, justement, on était en train de parler de cette faillite du renseignement israélien, qui est quand même censé être vraiment un renseignement de pointe, et du renseignement américain, qui évidemment en liaison directe avec son allié israélien, normalement en permanence. Comment ont-ils pu aujourd'hui ne pas voir cette offensive arrivée ? Alors, c'est effectivement la grande question. J'ai beaucoup de mal à le croire que les Israéliens n'aient rien vu venir. Il faut après analyser la manière dont le renseignement s'est diffusé dans leur structure. Je pense que s'il y a faillite du renseignement, elle est beaucoup plus dans une faillite de l'analyse et de l'évaluation de la menace de Hamas plutôt que d'une faillite de la collecte. L'information sur une offensive circulait depuis plus d'une semaine. Certains intervenants en parlaient sur les chaînes arabes. Sans doute que les services israéliens ont pensé que c'était une petite offensive de plus, que peut-être que le Hamas s'entraînait pour une opération qui n'aurait pas lieu. Mais ce qu'il faut expliquer aux auditeurs, c'est qu'il y a
au moins 4 services israéliens qui surveillent la bande de Gaza, alors certes de manière moins intensive qu'il y a quelques années. On a d'abord le Shin Bet, hein, qui est l'équivalent de la DGSI française, qui a ses informateurs qui travaillent beaucoup dans la zone, même si c'est extrêmement difficile. Nous avons ensuite le renseignement militaire Amman, qui a 2 unités qui surveillent Gaza. L'unité 8200, qui est l'unité d'écoute, hein, qui capte toutes les télécommunications et qui s'occupe aussi des communications radar, téléphonique, tout ce qui peut exister. Et les Israéliens aussi, une autre unité de renseignement militaire, de renseignement humain, qui est l'unité 504. On a ensuite l'unité probablement la plus efficace pendant longtemps sur Gaza, qui est la police des frontières, le Magav, qui dispose notamment d'une unité clandestine, le Hamas, qui s'infiltre régulièrement à Gaza. Et puis n'oublions pas le Mossad, qui lui n'est pas à Gaza au sens propre, mais surveille à l'extérieur toutes les livraisons d'armes et les connexions. Donc si on met bout à bout ces 4 services, oui, indéniablement compétent, même s'il n'y a pas de Superman et de service infaillible au monde, c'est très difficile d'imaginer comment ils n'aient pas pu avoir d'informations. En revanche, est-ce qu'ils en ont fait bon usage? Est-ce qu'ils y ont cru? Est-ce que ça a été transmis aux autorités? Est-ce que les autorités elles-mêmes y ont cru? Je pense que la commission d'enquête y répondra. Il ne faut pas oublier non plus que ces dernières semaines, un directeur général du ministère de la Défense israélien avouait lui-même qu'il n'avait jamais vu l'appareil de sécurité et de défense de l'État d'Israël dans une telle situation. Et comme le disait Régis Le Sommier, la société israélienne, depuis la réforme de Netanyahou, est totalement fracturée. Donc ça se voit, y compris jusqu'au sein de l'armée. On a vu finalement le flottement lorsque les réservistes sont arrivés. Donc, faillite du renseignement, probablement, elle reste, c'est normal, la surprise est totale, oui. Elle reste à déterminer. J'ajouterai un point qu'il ne faut pas du tout sous-estimer. J'ai envie de dire, c'est comme en football, il n'y a plus de petites équipes. Le différentiel de puissance entre Israël et ses adversaires est toujours à l'avantage d'Israël, mais là où il était de 1 à 20 ou de 1 à 10 ces dernières années, il est peut-être aujourd'hui de 1 à 2. Les terroristes du Hamas se sont considérablement renforcés. Ils ont été capables de faire preuve d'une excellente sécurité opérationnelle en montant cette opération, parce que cette opération n'a pas été déclenchée il y a une semaine. Il y a longtemps qu'ils travaillent sur la planification. C'est une opération aérienne, terrestre et maritime. Donc là encore, pourquoi est-ce que cette préparation a échappé aux Israéliens? Oui. C'est encore une fois, c'est vraiment la question que tout le monde cherche à comprendre. Alors, puisque vous parliez un petit peu de l'armement, enfin du fait qu'ils avaient une puissance, maintenant une force de frappe beaucoup plus importante. Un petit point aussi, justement, on a vu des témoignages sur les réseaux sociaux de membres du Hamas expliquant qu'ils avaient des armes. Alors certains expliquaient qu'ils avaient des armes ukrainiennes, notamment. Ça, vous l'avez vu passer peut-être. Ça confirme en tout cas ce que vous nous expliquiez déjà, Eric Denessé, l'année dernière, sur le fait que les armes ukrainiennes étaient revendues dans ces trafics de marché noir des armes. Alors nous savons depuis le début qu'une partie non négligeable des livraisons d'armes à l'Ukraine sont détournées par un certain nombre de militaires ou de politiques ukrainiens revendus sur le marché noir. Maintenant, pour l'instant, je n'ai aucun élément qui permette de dire qu'il y a des armes venant d'Ukraine dans la bande de Gaza. Les éléments qu'on a depuis plus d'un an, c'est qu'effectivement on en retrouve déjà en Iturie et dans les zones dans l'Afrique des Grands Lacs autour de la RDC, dans la mesure où c'est des régions où il y a des embargos sur les armes. Mais là, il n'y a pas d'éléments aujourd'hui qui me permettent de confirmer cette allégation du Hamas. Alors, Régis, dans votre article également, vous posez la question évidemment de la tectonique des plaques, on va dire, de tous les enjeux internationaux. On connaît l'alliance et le soutien iranien, notamment pour la bande de Gaza et ce qui se passe aujourd'hui. Qu'est-ce que ça va porter aujourd'hui comme fruit au niveau international, comme répercussion? Et notamment, vous évoquiez la question des BRICS et le nouvel équilibre. Oui, je dirais que cette offensive du Hamas s'inscrit dans un contexte international de décrue pour l'influence occidentale et de montée en puissance des BRICS. Hein, on l'a vu avec le sommet de Johannesburg. Et puis l'adhésion aux BRICS d'un certain nombre de pays musulmans. Et donc là, il y avait pour le Hamas, à mon sens, un test
geste, une manière de demander, en fait, de mettre les BRICS un petit peu au pied du mur et de leur demander de se positionner, justement, en rappelant à leur souvenir cette vieille cause palestinienne qui était peut-être la vieille matrice originelle du monde arabe, en fait, cette cause qu'on a un petit peu mis sur la touche ces dernières années. Enfin, les Occidentaux peut-être ont mis sur la touche. Et je parle notamment de la question des accords d'Abraham, puisque ces fameux accords qui ont vu le rapprochement d'un certain nombre de pays d'un point de vue diplomatique, que ce soit les Émirats Arabes Unis, Bahreïn, le Maroc encore récemment, initié donc par Trump et son gendre Ashton Kutcher. Oui, Trump s'en félicitait, hein. Il disait c'est le meilleur accord jamais signé. Bien sûr, mais quand on revient, et c'est ça que j'ai voulu rappeler dans l'article aussi, il faut revenir sur ce qu'étaient les accords d'Abraham à l'époque où ils ont été signés en août 2020. Eh bien, en fait, sur la question palestinienne, ce que Donald Trump appelait le meilleur deal du monde, enfin, avec l'emphase qu'on lui connaît, eh bien, en fait, en réalité, c'était des accords qui se faisaient quand même un peu sans les Palestiniens. Au détriment des Palestiniens. C'est-à-dire que les Palestiniens, je me souviens d'Ashton Kutcher montrant une carte de la Palestine avec une sorte de peau de chagrin résiduel de territoire confié aux Palestiniens. Et donc, en réalité, ce meilleur deal a quand même eu un impact, c'est de changer le positionnement et l'attitude d'un certain nombre de pays arabes vis-à-vis d'Israël. Et début de normalisation, vous expliquez. Voilà, et cette normalisation, elle est insupportable pour le Hamas, elle est insupportable pour d'autres acteurs palestiniens. Dans cette offensive, d'ailleurs, il n'y a pas que le Hamas, il y a aussi le djihad islamique, il y a d'autres groupes, le Hezbollah. Qui a commencé à tirer, d'ailleurs. Alors, le Hezbollah a fait, pour le moment, une réponse à minima, on pourra dire. Il attend de voir si l'offensive israélienne sur Gaza, est-ce qu'il y aura une invasion de Gaza, est-ce qu'il y aura une reprise de Gaza, pour se positionner plus durement. Mais pour le moment, il n'a fait que quelques frappes et il n'y a pas eu véritablement d'opération militaire du Hezbollah. Mais par rapport à ce que disait Eric Denossé, c'est assez exact. Le Hezbollah aussi est plus puissant que le Hamas. Et le Hezbollah a acquis une expérience internationale incroyable, que ce soit avec la guerre en Irak, avec la guerre en Syrie, avec la guerre au Yémen, où il a véritablement été un acteur décisif. Quelque part, le Hezbollah, pour moi, est responsable de la transformation de l'armée syrienne et a permis, avec l'aide des Russes par la suite, au gouvernement de Bachar el-Assad de reconquérir une grosse partie du territoire syrien. Donc c'est... L'allié iranien est évidemment était dans de la partie, mais donc c'est un groupe extrêmement puissant et qui pour le moment n'est pas rentré dans complètement dans le jeu. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ce conflit, il peut potentiellement aujourd'hui, ça va peut-être pas être simplement comme ça l'a été en 2021, comme ça l'a été en 2020 comme ça l'est régulièrement, une affaire entre Israël et le groupe du Hamas. Oui, c'est vraiment un appel maintenant à tous de se repositionner. Voilà. Et je rajouterai pour terminer ce propos qu'il y a ce recul occidental qui faisait que les États-Unis, peut-être depuis Trump, les États-Unis ont toujours été l'allié indéfectible d'Israël, mais il y avait toujours une volonté d'essayer justement de parrainer toute la région, d'être... Et aujourd'hui, notamment peut-être avec la guerre en Ukraine, l'attention des États-Unis s'est déplacée complètement sur le renseignement au profit des Ukrainiens sur les manœuvres russes, et donc peut-être il y a moins d'attention, donc ça peut expliquer ce qui s'est passé, et peut-être aussi le fait qu'il n'y ait pas eu de réaction, en tout cas qu'il y a eu un énorme échec du renseignement. Ça peut être une des raisons, mais surtout, aujourd'hui, l'influence américaine, l'influence occidentale, l'influence française est complètement moindre cette région. On va continuer d'en parler, évidemment, parce que tout cet environnement international, et notamment on a vu ce qui se passe sur la scène ukrainienne, et maintenant ce qui s'est passé au Haut-Karabakh, et peut-être l'absence de réaction qui a aussi donné envie, je ne sais pas,
à Hamas de réagir et d'agir maintenant. Et évidemment, Éric de Nessé, alors beaucoup de questions qui se sont posées dans tout ce qu'a dit Régis Le Sommier. Je voulais juste d'abord vous poser la question peut-être sur la normalisation d'Israël qui était en cours, comme a dit Régis Le Sommier, avec notamment cet accord de normalisation entre l'Arabie Saoudite et Israël qui devait être proche, qui devait arriver. Et à ce moment-là, eh bien, justement, cette attaque qui va forcer les pays, notamment arabes, à se repositionner peut-être différemment. Je rappelle seulement, avant de donner vous donner la parole, Éric de Nessé, que les États aujourd'hui qui officiellement soutiennent le Hamas sont la Syrie, l'Irak, l'Iran, l'Algérie, la Tunisie, l'Afghanistan, le Pakistan. Et l'Arabie Saoudite et la Turquie, eux, appellent de manière plus modérée à la désescalade. Voilà. Mais ça montre quand même le positionnement de ces pays aujourd'hui sur la scène internationale. Oui, n'oublions pas quand même que la Turquie joue un rôle plus important que ce qu'elle veut bien avouer dans son soutien au Hamas. D'abord parce que ce sont deux, le régime Erdogan comme le Hamas sont deux mouvements qui sont un parti d'un côté, un mouvement de l'autre qui sont proches des frères musulmans. Oui. L'Iran le fait de manière indéniable, même si on ne connaît pas exactement son rôle dans cette opération, dans sa volonté bien sûr d'être l'ennemi irréductible d'Israël. Maintenant, ce fameux deal des accords d'Abraham, bien sûr, dérangeait le Hamas, c'est bien évident. Ça dérangeait aussi les Iraniens, on en est bien conscient. Il n'était pas si bien engagé que ça, parce que le gouvernement, c'est un grand mot, le régime Ben Salman aujourd'hui est parfaitement conscient que la population saoudienne est dans sa grande majorité opposée à cet accord. C'est un régime... habite, et donc la détestation d'Israël et le côté islamiste fondamentaliste est quand même assez fort, et on voit bien que Ben Salman, en essayant de faire un certain nombre d'efforts, d'une part pour libéraliser le régime en l'ouvrant un petit peu, d'autre part en essayant de s'affranchir de la tutelle américaine, est dans une situation délicate vis-à-vis de sa propre population, même si ce n'est pas une démocratie. Mais les Américains, les Israéliens sont allés je pense aussi loin qu'ils ont pu dans ces accords-là, avec le soutien indéfectible des Américains. Maintenant, il reste à voir si les accords signés vont être honorés ou s'il ne va pas y avoir machine arrière de la part d'un certain État qui s'était engagé vis-à-vis de Jérusalem. Alors, d'abord, merci à vous deux d'être avec nous pour faire un point très important, je pense, sur ce qui se passe en ce moment et revoir toutes les cartes depuis les 50 dernières années aussi sur la scène internationale. Je rappelle qu'on est en record d'audience en ce moment grâce à vous deux, donc merci beaucoup d'être là. Je crois qu'on a dépassé les 1500 viewers en direct. Continuez d'ailleurs de nous mettre des pouces, des cœurs, tout ce que vous voulez pour faire monter le référencement de ce direct. Et puis, on continue d'analyser ce qui se passe. Je voulais continuer avec vous, Éric de Nessé. Vous parlez de la tutelle américaine. Et c'est vrai que Régis Le Sommier le disait tout à l'heure, on sent un net recul occidental sur cette scène-là. Est-ce que, justement, le fait que les Américains soient déjà très présents et très occupés, on va dire, par la scène ukrainienne, et puis qu'on a vu peut-être l'absence de condamnation de ce qui se passait sur le Haut-Karabakh, ou alors seulement une condamnation orale, mais rien de concret, est-ce que ça peut donner aussi des envies velléitaires à l'Iran et au Hamas? Oui, absolument. Régis Le Sommier le disait très bien. Nous sommes depuis au moins une décennie dans une période indéniable de recul occidental, dont nous sommes responsables par des prises de position unilatérales et du deux poids deux mesures sur beaucoup de crises internationales. Tout ça finit d'excéder beaucoup d'acteurs internationaux, et puis bien sûr ceux qui comptent. J'entends par là les grandes puissances comme la Chine, la Russie et l'Inde. Maintenant, sur ce qui s'est passé, sur la manière dont les Américains ont réagi, je crois que malheureusement, il faut regarder ce qui se passe aux États-Unis depuis 24 heures, et la réaction est excessivement virulente. C'est pour les Américains, en tout cas dans leur soutien indéfectible à Israël, à nouveau en septembre, les images des grands-mères nues emmenées par le Hamas, le fait qu'un certain nombre de citoyens juifs américains aient été enlevés également par le Hamas, c'est quelque chose qui est extrêmement mal vécu aux États-Unis. Tout l'opinion est tout à fait excédée. La presse américaine en la matière est très très virulente également. Biden a envoyé le porte-avions et son escadre au large des côtes. Et je pense qu'il y a deux choses. Je crois qu'il va y avoir une réaction de soutien non seulement majeur en termes de fourniture d'armes, de soutien diplomatique et de munitions à Israël, mais on peut s'attendre probablement à une pression militaire de la part des Américains.
Bien sûr, l'une des questions qui se posent si Israël rentre à Gaza, c'est l'attitude de Hezbollah. Mais je ne doute pas un seul instant aujourd'hui que les Américains fassent une pression énorme sur l'Iran et sur le Hezbollah. Au cas où ils bougent, je crois qu'ils n'hésiteront pas à lancer des opérations militaires. C'est plus qu'une hypothèse. Quand on regarde l'attitude, le niveau du débat côté américain, c'est quelque chose qui se dessine. Je dirais que d'une certaine manière, ça va aussi dans le sens de ce que peut souhaiter Joe Biden, parce que sa réélection est en jeu. Donc le côté président énergique qui ne se laisse pas faire va être quelque chose d'important pour lui. Surtout que Donald Trump, ces derniers jours, l'avait quand même beaucoup mis sur la sellette en expliquant que, d'une manière plus ou moins directe, il était responsable de cette montée en puissance du Hamas et de l'Iran. Tout va dépendre du niveau d'implication réelle de l'Iran dans cette opération c'est-à-dire pendant sa préparation, et puis des directives ou de la contrainte que Téhéran peut faire sur le Hezbollah en cas d'opération israélienne à Gaza. Mais malheureusement, on est dans une situation où les Israéliens ne peuvent pas réagir devant les atrocités, la barbarie à laquelle on a assisté, ce qui est tout à fait scandaleux, enfin, c'est inqualifiable. Oui. On a vu notamment des images affreuses d'enfants emprisonnés dans des cages, hein, donc de civils embarqués par le Hamas. Et oui, et puis il y a des enfants de 5 ans. Enfin, ça n'a rien à voir avec une opération militaire. C'est du terrorisme pur et dur de l'espèce. Et donc, quoi de l'opinion et de l'émotion joue un rôle tout à fait majeur. Malheureusement, ce qu'il faut craindre, c'est que ça va être une montée aux extrêmes, parce que même si l'Iran aujourd'hui peut tirer d'un côté, on y reviendra peut-être, les marrons du feu, il est aussi extrêmement exposé, je dirais, à ne pas bouger un cheveu, au risque d'être victime de conséquences très importantes. Oui. Alors, Régis Sommier, les conséquences, d'abord direct, c'est-à-dire, est-ce que vous pensez que vraiment Israël va répondre très brutalement, enfin, ce qu'il a commencé à faire d'ailleurs, et qu'est-ce que ça peut entraîner derrière? Est-ce qu'on risque pas d'avoir finalement une nouvelle forme de guerre mondiale, mais civilisationnelle ou religieuse, avec l'alignement, comme on le disait, de tous les pays arabes derrière le Hamas? Et puis, du côté américain, qu'est-ce qui va se jouer, notamment avec les élections présidentielles? Et puis, j'aimerais bien ensuite, on va en parler, hein, de ce qui va se passer en France aussi. On a vu des réactions, notamment avec la polémique LFI, la France Insoumise. On a vu des réactions plus que polémiques également. Alors, mais commençons d'abord sur la scène, israélienne, et ensuite, les États-Unis. Je crois que ce qui se produit, enfin là, on a entendu cette nuit, il y a eu à peu près 500 objectifs qui ont été visés à l'intérieur de la bande de Gaza. Donc, pour le moment, on est dans la question de la riposte avec des frappes, qui a fait monter d'ailleurs le nombre de morts palestiniens mécaniquement, puisque... Disons-le, ce ne sont pas que des frappes qui visent des cibles militaires non plus. Le problème de Gaza, c'est que vous êtes sur 360 km², vous avez 2 millions d'habitants. Donc, si vous voulez, il y a des gens partout. C'est une sorte de canevas urbain extrêmement complexe, et d'ailleurs extrêmement complexe à envahir. Israël l'a fait plusieurs fois et toujours, c'est toujours coûteux, c'est une opération toujours délicate à faire. Fatalement, quand il y a même des objectifs ciblés, dits être des objectifs du Hamas ou du militaire du Hamas ou du djihad islamique, il y a des morts, et donc c'est ce qui s'est produit cette nuit. Maintenant, moi je mettrais, la difficulté est encore plus importante pour Israël aujourd'hui à cause de la question des otages, parce que on se souvient de l'affaire Gilad Shalit qui avait été échangé contre un millier de prisonniers palestiniens. Là, aujourd'hui, on est à peu près, selon à une centaine d'otages. Ces otages-là, ils ont été ramenés en Gaza, ils vont servir de bouclier humain, c'est évident. Et là, il y a une difficulté supplémentaire militairement pour Israël d'arriver à pouvoir les récupérer. Donc on peut imaginer que là toutes les attentions sont focalisées sur la bande de Gaza et sur ce qui s'y passe, et qu'aujourd'hui le moindre mouvement y est détecté, et donc il va y avoir peut-être une approche et peut-être des opérations de commando spécialisées pour essayer de récupérer ces otages. En tout cas, c'est extrêmement délicat, c'est une situation
inédite militairement pour Israël, de pouvoir investir ou en tout cas répliquer et détruire, parce que l'objectif c'est de détruire le Hamas, ce que veut la population israélienne aujourd'hui, au vu de ce qui s'est passé et l'horreur que vous avez décrit, comment vient le confirmer, c'est d'arriver à détruire cette implantation dans cette bande de Gaza de ce groupe armé terroriste. Donc on est là aujourd'hui dans un dilemme qui va être très difficile à négocier de la part du gouvernement Netanyahou, oui, et de l'armée israélienne, c'est-à-dire de trouver une solution. Donc ça, oui, c'est pour le point de vue... Pour sauver notamment les otages, voilà, hein, vous l'avez dit. Alors, sur les Américains, je pense qu'Éric Denecey l'a bien précisé, en effet, c'est une focalisation énorme à nouveau sur Gaza, alors qu'on en avait un peu, je crois qu'il y a une semaine, un responsable américain, je ne sais plus qui, disait que la région n'avait jamais été aussi calme qu'aujourd'hui. Donc là, il y a vraiment aussi un raté de la part des Américains qui viennent d'habitude, qui avec leurs grandes oreilles et tous leurs moyens de sécurité, satellitaires et autres, sont capables d'aider les Israéliens. Pour le coup, ils ne l'ont pas fait. Et je rajouterais, moi, par rapport à l'élection américaine, évidemment que Donald Trump va s'emparer, et il s'est déjà emparé de cette affaire, parce qu'il faut rappeler qu'à la différence de Biden, qui a été finalement assez peu présent dans la région, Donald Trump, lui, il a été extrêmement, avec une volonté de solutionner, avec, souvenez-vous, le déplacement symbolique de l'ambassade d'Israël de Tel Aviv à Jérusalem, avec toute la polémique qui avait suivi à l'époque. Et donc Donald Trump s'est impliqué énormément aux côtés des Israéliens, et qu'il est probable que dans l'élection qui vienne, on sait que le vote juif est extrêmement important aux États-Unis, Joe Biden, est-ce que les démocrates vont pouvoir rattraper ce raté apparent, tout en sachant qu'en face ils ont un adversaire redoutable. Alors je le mets déjà comme candidat républicain, parce qu'il y a encore des étapes à franchir, mais on sent bien qu'il y a quand même une montée en puissance. Mais là, diplomatiquement, enfin je dirais au niveau de sa politique internationale, il a énormément de choses à dire, et il pourra toujours dire, regardez, si j'avais été au pouvoir, si moi j'avais élu, jamais ça ne serait passé, parce qu'on m'aurait écouté. Enfin bon, comme il sait habituellement, habilement, oui, tirer les marrons du feu, et puis les utiliser à son avantage. Oui, oui. Et alors, on va arriver sur la scène française notamment, on va tenter de comprendre ce qui se passe chez nous et comment ça peut influencer éventuellement nos politiques et notre politique. Alors, on a vu évidemment cette polémique de la France insoumise qui, ce week-end, n'a pas réussi à condamner ce qui se passait l'agression de Gaza. Et je vais citer le tweet de Jean-Luc Mélenchon, le tweet sur X, vous savez, anciennement Twitter. « Toute la violence déchaînée contre Israël et Gaza ne prouve qu'une chose, la violence ne produit et ne reproduit qu'elle-même. Voilà, il faut trouver une solution à ces deux États. » Voilà ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon, qui donc a beaucoup de mal à condamner le mal et l'agresseur. Éric Denecey, à ce sujet, est-ce que ça va entraîner, vous pensez, est-ce que ça va forcer certains politiques à devoir se repositionner concernant ce qu'on appelle l'islamo-gauchisme, ce gauchisme qui peut servir l'islamisme? Probablement, l'islamo-gauchisme existe, mais il est quand même relativement modéré, en représentation dans notre classe politique et dans notre pays. C'est bien sûr un scandale que LFI n'est pas condamné directement et sans ambiguïté les actes et l'offensive terroriste contre Israël. Mais je pense que la préoccupation des hommes politiques et du pouvoir, notamment, elle est différente, parce que ça fait plus de 20 ans aujourd'hui que ce conflit israélo-arabe a des répercussions directes sur notre territoire. On se souvient qu'en 2003, au moment de l'invasion des Américains en Irak, en partie l'attitude du gouvernement français de Jacques Chirac à l'époque avait été de dire d'abord, nous considérons que nous n'avons pas les preuves des armes de destruction massive, mais surtout il y avait la prise en compte de nos banlieues et de l'importante population qui soutient le mouvement palestinien. Il faut rappeler qu'aux yeux des Israéliens, nous sommes le pays occidental qui est le plus pro-palestinien, mais d'une certaine manière, nous ne pouvons pas ne pas tenir compte de cette frange de notre population qui soutient le mouvement palestinien. Alors, il y a l'autre élément qui me semble important, c'est la France, mais c'est comment réagit aussi la rue arabe par rapport à cela. Est-ce qu'il se passe chez
est tout à fait, je dirais, modéré et par rapport à ce qui se passe dans le monde arabe, même s'il est indispensable que nous protégions un certain nombre de lieux de culte pour que le conflit ne déborde pas chez nous. Mais il faut quand même regarder de manière très très précise ce qui se passe dans le monde arabe, où le soutien, là aussi, est quasi unanime. Le soutien de la rue arabe, comment dire, à l'encontre contre Israël et pour le Hamas. Il y a deux éléments. Là, je pense que c'est important de faire de la position de perception sans du tout, bien sûr, défendre ces positions-là, mais il y a eu près de 150 morts en Syrie il y a quelques jours sur une attaque de drone à Homs faite par Al-Qaïda. Personne n'a réagi. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucun message de la part du monde occidental, je dirais, pour condamner cette attaque. Voilà. Et ça a contribué une nouvelle fois dans le monde arabe à l'exaspération vis-à-vis des attitudes que nous prenons. Et puis l'autre élément qu'il faut également rappeler, c'est que les Israéliens ont une occasion en or avec cette riposte qu'ils vont conduire contre le Hamas, de l'accompagner contre une véritable, l'accompagner d'une véritable proposition vis-à-vis de l'autorité palestinienne, parce que aujourd'hui, c'est peut-être pour essayer de comprendre comment les gens de LFI peuvent réagir de cette manière. La vengeance appelle la vengeance et on ne sortira pas de cet engrenage si à un moment donné une tentative de négociation efficace est faite. La situation est pourrie depuis des tas d'années. Le terrorisme était absolument indéniable contre Israël, mais qu'ont proposé les Israéliens à la rue arabe ? Pas grand-chose. Qu'ont proposé aux Palestiniens ? Pas grand-chose. Et ça, je dirais encore une fois, ça n'excuse pas le terrorisme, ça n'excuse surtout pas cette offensive, mais on ne pourra sortir de cette situation qu'avec, à un moment donné, une négociation. Vous avez raison, Éric Denessé, et je vous reconnais bien là, on avait déjà vu, évidemment, je ne fais pas le parallèle avec ce qui se passe sur la scène ukrainienne, mais à chaque fois d'essayer de comprendre aussi comment l'opposant est aussi parfois au pied du mur, enfin se sent au pied du mur, en tout cas acculé, et peut-être n'a plus que la violence pour s'exprimer. En tout cas, vous le disiez, l'exaspération du monde arabe est aussi à prendre en compte dans ce qui se passe. Régis Le Sommier, à ce sujet justement, sur cette exaspération du monde arabe, c'est vrai qu'il y a eu des moments où, en tout cas, l'Occident était incapable d'entendre aussi le positionnement palestinien notamment. Mais c'est même pas d'entendre le positionnement palestinien, c'est que ces dernières années, ce qu'on appelait traditionnellement depuis les années 70, la cause palestinienne a complètement disparu. Oui. C'est-à-dire qu'on a avancé, et je parlais des accords d'Abraham tout à l'heure, avec l'absence de concertation de Palestiniens, ni d'accord de Palestiniens pour finalement leur avenir, quelque part. Je crois qu'il y a d'un côté cette disparition de la cause palestinienne, qui est une des raisons pour lesquelles le Hamas frappe aujourd'hui, pour remettre la question palestinienne sur l'échiquier du monde, alors que c'était dans les années 80, dans les années 70, une cause extrêmement importante, notamment vis-à-vis des pays arabes. Et puis le fait de voir qu'un certain nombre de pays arabes normalisent leurs relations avec Israël, ça c'est d'une part quelque chose d'extrêmement important. Et puis de l'autre côté, il y a des images qui heurtent, en tout cas qui ont un impact incroyable dans la rue arabe. C'est cette tolérance, entre guillemets, vis-à-vis d'actions de colons. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça se passe pas à Gaza, mais ça se passe en Cisjordanie. Mais on voit depuis des années des colons investir des villages palestiniens, en tout cas avec une volonté hyper agressive de continuer justement à coloniser. Alors ça, on en parle peut-être relativement peu au niveau médiatique, mais au niveau de la rue arabe et au niveau de nos banlieues, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et alors, sur l'histoire de l'islamo-gauchisme de la France insoumise, je dirais que c'est même pas une question d'islam, en fait, en réalité, c'est de jouer un électorat ethnique, finalement. C'est un discours vis-à-vis de populations qui se sentent liées au monde arabe, en tout cas issues. Oui, mais vous-même, c'est pas tellement l'islam qui est dans l'histoire, c'est la question de comment ces gens-là, en effet, dans nos banlieues, il y a des gens qui sont en osmose complète avec qui n'ont pas les mêmes réactions, et donc ce sur quoi la France insoumise joue, c'est justement sur cet électorat qui a fait, souvenons-nous aux dernières élections, dans des zones comme Bondy, Gonesse et autres, Jean-Luc Mélenchon était à plus de 60%. Ouais. Voilà.
Oui, mais justement, vous le dites vous-même, finalement, est-ce que Jean-Luc Mélenchon, finalement, est-ce que là, il n'est pas aussi un des rares, entre guillemets, à oser, attention, hein, je fais volontairement, à oser dire, attendez, tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir, on a aussi, nous-mêmes, fauté, nous, occidentaux, par le fait de ne pas avoir écouté ou de ne pas avoir compris, en tout cas, l'attente des Palestiniens. Bah, c'est-à-dire, en fait, d'avoir oublié cette cause extrêmement importante. Je vais vous raconter une anecdote à ce propos. J'étais il y a quelques années à Doha. Enfin, tous les ans, il y a ce qui s'appelle le Forum de Doha, qui est un endroit diplomatique extrêmement important. Il y a toute la scène diplomatique internationale de Ban Ki-moon. La dernière fois que j'y étais allé, il y avait Ivanka Trump, justement, la fille de Trump, qui jouait un rôle diplomatique extrêmement important, peut-être trop important, enfin bref. Et donc, vous aviez tous les gens. Et au moment de l'accueil, vous aviez, à l'époque, la Syrie et le Qatar était à couteau tiré, puisque le Qatar finançait l'opposition armée syrienne. Et donc, à un moment, le ministre des Affaires étrangères qatari, dans un discours totalement insipide, commence à évoquer la question du Golan et commence tout à coup, avec des trémolos dans la voix, et nous expliquer que le Golan était syrien, qu'il devait redevenir syrien. Golan étant le plateau justement envahi pendant une des guerres entre la Syrie et Israël. Et tout à coup, on se rend compte comment, même au niveau international, même dans un meeting très policé, eh bien, la question d'Israël revient, et cette vieille fracture, cette vieille plaie du monde arabe continue à exister auprès de dignitaires aujourd'hui qui sont, entre guillemets, qui ont des positions, voilà. Et j'avais été surpris par ça, parce que je pensais que tout ça était enterré, et en fait, pas du tout. Ouais. Donc, en fait, la réalité, il faut faire attention comment nous, occidentaux, encore une fois, appréhendons cette partie du monde, et comment d'autres populations, on a vu, hein, les pays, l'Arabie Saoudite est quand même la réaction de l'Arabie Saoudite est extrêmement embarrassé. On voit bien, ça n'est pas possible, évidemment, de condamner ouvertement le Hamas. Et donc, du coup, de facto, à mon sens, ça met un coup d'arrêt au rapprochement entre les Saoudiens et Israël. C'est évident. Ouais. Alors, c'est très intéressant. D'ailleurs, je crois que c'est la conclusion de votre article. Alors, je connais pas par cœur ce que vous avez dit, mais vous avez dit, en gros, je ne dirais pas que les pays arabes vont que les BRICS vont s'aligner sur cette cause palestinienne. Plutôt, mais plutôt qu'ils n'ont jamais été aussi proches de le faire. L'Inde a soutenu Israël, donc. Oui, mais pareil, on est aussi dans les divisions entre les BRICS, puisque l'Inde a accepté qu'il y ait des pays musulmans qui intègrent les BRICS, et c'est sûr que là aussi, il y a des tensions à venir au sein de cette nouvelle. Ce concurrent du G7, on va dire. Oui, voilà. Tout à fait, c'est intéressant. Éric Denessé, à ce sujet, sur, on va dire, ce jeu qui se passe entre les BRICS et désormais Palestine-Israël, comment vous voyez le positionnement? Je pense déjà, il y a une chose essentielle, c'est quelle va être la réaction et la pression américaine sur un certain nombre d'acteurs internationaux, parce qu'effectivement, ils ont, même s'il y a un recul depuis quelques années de la puissance américaine, ils ont encore des moyens de faire pression sur beaucoup d'acteurs dans le monde, et je pense que le soutien international au Hamas va être taré très rapidement, le Qatar étant plus ou moins, parce qu'il a annoncé sur certains aspects qu'il avait arrêté une partie du financement, mais étant le principal soutien. Maintenant, comme vous le disiez très justement, on est dans un Orient compliqué pour évoquer une de la palissade, parce que je crois qu'il faut élargir quand même un petit peu le théâtre du conflit à ce qui se passe aujourd'hui et dans la région, c'est-à-dire jusqu'au Yémen, mais également dans le Caucase, parce que si l'Iran a joué un rôle majeur dans la planification de cette opération, ce que l'on ne sait pas aujourd'hui, on sait que l'Iran est le soutien depuis longtemps du Hamas, mais on n'a pas d'éléments, bien que le New York Times l'affirme, d'éléments vraiment tangibles pour connaître exactement son rôle. On a des suspicions, disons. Oui, il y a des suspicions, mais par exemple, l'Iran et l'Inde sont tous les deux en train de soutenir aujourd'hui l'Arménie dans son conflit avec le Haut-Karabakh, et
Pourquoi est-ce que l'Iran pourrait jouer un rôle important aujourd'hui en soutien du Hamas? Il faut rappeler qu'il y a 15 jours, quand les forces du régime Aliyev ont reconquis, entre guillemets, le Haut-Karabakh, l'une de leurs premières réactions, ça a été de remercier les militaires azéris. L'une des premières réactions des officiers d'état-major a été de féliciter, de remercier leurs collègues israéliens pour les livraisons d'armes et de munitions qu'ils avaient reçues. C'est vrai que ça devient compliqué, là. Ça devient compliqué parce que les Iraniens aujourd'hui sont très opposés à l'ouverture du corridor de Zanguezour. Ils ont massé de manière très importante leurs forces autour du Nakhitchevan. Et donc, si Aliyev décidait de profiter de la situation pour prendre par la force ce corridor, on pourrait s'attendre à une réaction militaire iranienne. Les Iraniens sont aussi assez excédés de voir la manière dont le régime Aliyev a permis au Mossad d'opérer depuis son territoire, a mis à la disposition des Israéliens des bases aériennes pour leur permettre, le cas échéant, d'organiser leur frappe aérienne contre l'Iran. Et on sait qu'il y a des stations d'écoute israéliennes en Azerbaïdjan. Donc le fait que cette opération tout à fait inqualifiable du Hamas se déclenche aujourd'hui en Israël est à la fois. Enfin, il y a des relations avec ce qui se passe depuis le Caucase jusqu'au Yémen qui sont à prendre en compte, avec des jeux d'acteurs très compliqués, puisque, je vous le disais, l'Iran sont derrière l'armée d'Iran côté, parce que notamment le Pakistan est derrière l'Azerbaïdjan. En même temps, l'Inde et l'Iran ne partagent pas du tout la même position sur le soutien, sur le soutien à Israël. Quelles vont être les répercussions sur l'assistance internationale, notamment américaine, à l'Ukraine? Est-ce que ça va donner envie? C'est une question, voilà. Ça aussi. Oui. Que ça va donner envie à Aliyev de déclencher une opération. D'un côté, l'Iran peut en tirer les marrons du feu. De l'autre, il peut être victime d'une contrainte américaine terrible. Qu'est-ce que le Hezbollah va faire? On est vraiment dans une situation extrêmement complexe et une étincelle pourrait mettre le feu aux poudres d'une manière extrêmement grave. Oui, alors le feu aux poudres, ça c'est sûr. Juste concernant la scène, les actions américaines sur ces scènes, différentes scènes que vous avez citées, hein, donc l'Arménie, mais c'était surtout l'Ukraine. Qu'est-ce que ça va changer à votre avis, Régis Le Sommier, concernant justement l'aide qu'a promis maintenant les Américains sur cette nouvelle scène palestinienne, en plus de l'aide ukrainienne? Est-ce que ça peut changer les choses pour les Américains? Moi, je pense pas, parce que en termes d'attention, évidemment, peut-être que des moyens satellitaires ou en tout cas de renseignements vont être réalloués sur la zone de la Méditerranée orientale. Mais les États-Unis disposent d'un budget militaire absolument démentiel par rapport au reste. On est à peu près à 850 milliards de dollars. Donc on est à trois fois le budget de la Chine. Donc je pense qu'en termes d'aide militaire, il y aura pas de problème pour les Américains. Il y a peut-être le problème de la question des munitions ou la question puisque beaucoup ont été. On sait que l'Ukraine a usé une partie du stock de munitions et que sur certains types de munitions, eh bien on est un peu à vide maintenant. Oui, les Américains même commencent à mettre un frein sur cet envoi de munitions. Oui. Et alors sur la question de l'Ukraine va s'ouvrir sans doute une réflexion autour de s'il s'avère, puisque même si tout ça est conditionnel et tout ça, le Hamas ayant dit qu'ils avaient eu des armes ukrainiennes, notamment des missiles Enlow qui auraient servi justement à frapper des chars lourds israéliens pendant l'incursion. Tout ça est au conditionnel. Maintenant, on a parlé aussi du stock d'armes des talibans laissé par les Américains. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a énormément d'armes qui circulent dans le monde aujourd'hui et que la guerre en Ukraine n'a fait qu'accélérer ce mouvement. Et donc, on se rend compte que même en étant géographiquement isolé avec une Égypte qui aujourd'hui avait normalisé ses relations avec Israël, et justement avant il y avait la fameuse politique des tunnels où le Hamas s'approvisionnait via les tunnels, via l'Égypte et le Sinaï. Aujourd'hui c'est plus difficile, mais on se rend compte que le Hamas continue à disposer d'un stock absolument colossal d'armement et que cet armement,
il transite bien quelque part. Oui. Donc là, voilà, ça va être tout ça n'est pas clair. Mais en tout cas, vous aviez déjà repéré, vous, je crois, dans vos reportages des armes qui étaient envoyées, qui venaient de marché noir. Il me semble que vous nous aviez déjà raconté ça. Sur les marchés noirs, on sait que il y a toujours les vieux réseaux en Europe. Vous parlez d'armes qui peuvent servir au trafic de drogue et des choses comme ça. Oui, oui. Parce qu'il y a eu des cas, oui, en effet, mais disons que aujourd'hui, il y a un vrai problème, et ça avait été souligné par un reportage de la chaîne CBS, c'est qu'il y avait peut-être environ un quart des munitions et des armes qui, à destination de l'Ukraine, qui n'arrivaient jamais sur le front ukrainien. Non. Donc c'est colossal. Mm. Et je cite une source absolument fiable américaine. Oui. C'est pas un blogueur qui dit ça. Donc c'est une enquête qui avait été faite à peu près quelques mois après le début de la guerre. Et aujourd'hui, cette situation-là, elle existe toujours. Mm. Et l'Ukraine est un pays notoirement corrompu, dans lequel il y a un certain nombre d'acteurs, des milices d'extrême droite, Edar, Azov, etc., qui ont tendance à se servir un peu sur la bête, sur l'aide internationale, parce qu'ils ont des positions extrêmement puissantes, et c'est des groupes qui avaient historiquement, avant le début de la guerre, des liens avec d'autres groupes à l'international. Ouais. Vous savez, il y a aujourd'hui une véritable nébuleuse de l'armement, des soldats, des contracteurs qui existent et on est un peu naïfs, nous occidentaux, ouais, en imaginant qu'on est les seuls encore à disposer, mais il faut savoir qu'aujourd'hui les autres nous ont copiés il existe, là je reviens d'Ukraine où j'ai rencontré des membres de la milice Wagner. On vous réinvitera d'ailleurs, ouais, c'était notre une petite parenthèse, ce qui m'a vraiment le plus surpris, c'est de rencontrer des gens de Wagner qui sont d'un niveau opérationnel largement équivalent à celui des forces spéciales américaines. Oui. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont une expérience de guerre incroyable et qui ont travaillé dans des... En Russie, ils appellent ça les CVK, c'est-à-dire les sociétés militaires privées, et que ce business de la sécurité privée, il est extrêmement florissant dans le monde, et on a tort, nous, de jeter un œil en disant, c'est des Russes... Les prisons, c'est des Russes, les Américains font la même chose, la Grande-Bretagne. C'est les Américains qui ont démarré ça avec Blackwater. Mais aujourd'hui, ça existe partout. Oui. Et il est évident que le Hamas et tous ces groupes armés, que ce soit le Hezbollah et autres, agissent et réagissent par rapport aussi à cette nébuleuse d'armes et d'armées privées. Et ils ont depuis longtemps montré qu'ils étaient extrêmement efficaces. Alors, aussi. Sur la présence des armes, j'en profite pour faire un petit teasing sur notre invité juste après. Hein, confession d'un caïd marseillais. On va recevoir en direct l'avocat d'un caïd, d'un baron de la drogue, qui va tout nous raconter sur les armes, comment ils se fournissent, sur la drogue, etc. C'est absolument passionnant, ce livre. Mais une dernière question pour Éric Denessé et pour conclure ce sujet. Puisqu'on a parlé de la politique intérieure en France, je voudrais vous demander quelle est la ligne diplomatique que pourrait jouer la France. On le sait habituellement, historiquement avec le général de Gaulle, on aimait justement positionner la troisième voie française que vous avez, Éric Denessé, fortement invité, souhaité pour la scène ukrainienne qu'on n'a pas réussi à mettre en place. Est-ce que ça pourrait pas être aussi notre jeu ici sur ce nouveau conflit? Dans l'idéal, évidemment, un retour au gaullisme en matière de politique étrangère serait une démarche tout à fait bienvenue. Malheureusement, on continue à pratiquer le « en même temps ». J'ai envie de dire, est-ce qu'il y a véritablement aujourd'hui une politique étrangère française digne de ce nom? Non, ma réponse est non. Le seul élément qui me donne un tout petit peu une raison d'espérer, ça a été notre attitude vis-à-vis de l'Arménie, en décidant de livrer des armes à l'Arménie et en déclenchant la colère d'Aliyev qui n'est pas venu au sommet de Grenade. Mais à part cet épisode qui n'est pas représentatif de notre politique étrangère, nous sommes pour l'instant totalement alignés sur les Américains, avec une tentative de faire, je dirais, un peu d'agitation différente. Mais en réalité, nous n'avons pas aujourd'hui, à mon sens, de ligne de souveraineté, de ligne indépendante. Et Jacques Miard, qui a une tribune très intéressante sur le sujet, l'explique très bien. Alors, est-ce que cette crise israélienne va nous permettre de reprendre nos distances? Je ne le crois pas, parce qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord avec Israël, et aussi bien l'Ukraine, la Russie, la France, les États-Unis,
unique, l'Union européenne, nous soutenons tous Israël dans ce drame qu'elle traverse. Et donc, il n'y a pas de raison qu'une politique française soit différente, parce que ça n'aurait pas de sens sur ce dossier. Régis, si jamais vous voulez rajouter un point là-dessus sur cette troisième voie française. Cette troisième voie française, on aimerait malheureusement qu'elle, qu'elle soit un peu plus... percutante, présente, ouais. Et qu'on retrouve ce que Dominique de Villepin appelait la puissance médiane française, la puissance médiatrice plus exactement, qui apporte des solutions, qui est force de proposition. Malheureusement, on a, à mon avis, un peu trop attelé notre remorque à celle des Américains, et notre voix est devenue inaudible. Je pense que si je dois dater le début du déclin de l'influence française, je dirais que c'est vraiment la crise syrienne qui nous a mis hors jeu. Elle nous a mis hors jeu du Moyen-Orient avec des déclarations de principe. On se souvient des propos de Laurent Fabius, des choses qui ne sont pas de l'ordre de la diplomatie, mais plus de l'ordre de la morale. Et donc, aujourd'hui, on a énormément de mal à reprendre pied au Moyen-Orient. On avait des opportunités, de le faire. Emmanuel Macron, souvenez-vous, l'épisode de Hariri, au moment où le Premier ministre libanais avait été pris en otage par les Saoudiens. Mais c'était Emmanuel Macron qui était intervenu et qui avait ramené quelque part le Premier ministre libanais au Liban. Donc là, on avait repris pied. Et puis finalement, en fait, on n'a jamais su vraiment exploiter. De même, on parlait de la grande crise qui était la guerre en Irak, où on avait eu une voix singulière, voix qui à l'époque avait été saluée énormément dans les pays arabes. Moi, je me souviens de patrouilles avec l'armée américaine dans les faubourgs de Bagdad, où les gamins hurlaient quand je leur disais que j'étais français. C'était le nom de Chirac, tout de suite. Alors que les Américains étaient mal vus. Donc je pense qu'on a eu une politique qui finalement a été de reculade. Aujourd'hui, on a peu de moyens de reprendre une voie singulière, et c'est certainement pas ce qui nous est arrivé en Afrique dans les derniers mois qui va améliorer notre politique internationale. Et on en reparlera avec vous, Régis Le Sommier, puisque je le dis à vous tous, nous devions d'abord recevoir Régis Le Sommier pour parler notamment de cette milice Wagner et comment elle opère en Afrique. Et c'est pas non plus avec la dissolution du corps diplomatique voulu par Emmanuel Macron que les choses vont être arrangées. Merci beaucoup à vous deux, en tout cas pour cette émission spéciale autour de ce conflit israélo-palestinien qu'on va continuer de suivre. Je rappelle Éric Denessé, merci encore. Vous êtes directeur du CF2R, le Centre français de recherche sur le renseignement. Et merci à vous, Régis Le Sommier, directeur de la publication d'Omerta et auteur de cet article dans le JDD, le dernier JDD de dimanche dernier. Merci beaucoup à vous deux. On continuera de suivre ce sujet avec vous.